Salut, j'aimerais vous inviter à nous rejoindre durant le webinaire qui aura lieu ma petite anti-sèche lundi 25 mars de midi à 13h. On va parler des 5 croyances limitantes qui nous empêchent d'atteindre les 5000 euros par mois. J'estime que pour survivre de son business, il faut gagner au minimum 5000 euros par mois. Ah ouais, ça, avec toutes les dépenses que ça inclut, les cotisations, au final, même avec 5000 euros par mois, vous retrouvez, alors, sauf quand vous êtes micro-entrepreneur, mais pareil, ce sera entre, il va vous rester entre 1500 et 2500 euros. Donc, c'est essentiel d'atteindre et de dépasser cette barre de 5000 euros par mois que j'ai dépassé à peine l'année dernière, alors que ça fait des années que je fais ça. Et j'aimerais vous aider à ne pas attendre 7 ans comme moi avant d'atteindre cette barre, ok, avant de vraiment vivre tranquillement, plus paisiblement de votre business. Et en fait, ce qui vous manque, c'est pas tellement les techniques marketing, c'est pas tellement comment obtenir du trafic, comment faire une formation en ligne, c'est d'abord votre état d'esprit, votre mindset. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous inscrire en dessous. Vous allez pouvoir nous rejoindre lundi en direct de midi à 13h. C'est très important que vous veniez à ce moment-là parce que, en fait, vous aurez droit à un replay. On me pose souvent la question, mais seulement pendant 48 heures. Okay? Donc, venez en direct et souvent, si vous manquez ce replay, bah, ce sera plus disponible, sauf si vous êtes membre de la famille solopreneur. Mais je vous encourage à venir en live, on va pouvoir discuter et c'est le genre de réflexion qui nous manque aujourd'hui dans l'entrepreneuriat parce qu'on parle beaucoup de marketing et c'est normal et moi aussi, mais quelquefois il faut prendre du temps pour se remettre en question et réfléchir sur les pensées limitantes qui nous limitent dans nos ambitions, dans nos croyances. Je vais juste vous balancer la mienne, hein, celle qui m'a fait le plus de mal. Moi je pensais que gagner de l'argent, devenir riche, c'était devenir une mauvaise personne, ok, à travers mon éducation, les médias, tout ça. Moi je pensais vraiment que gagner plus d'argent, devenir riche, ça allait faire de moi une mauvaise personne. C'était très inconscient, hein. Et heureusement que j'ai compris que c'était faux. Sinon, je serais encore en train de galérer. Donc voilà, ça c'est juste un petit avant-goût du webinaire. Donc lundi 25 mars de midi à 13h, je vous dis à très bientôt au webinaire. Ciao!